Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec Assassin's Creed Valhalla. On s'était laissé justement ici, dans la vie d'après. Attendez, je voulais juste voir si mon micro fonctionnait. Et bah du coup, dans mon retour, tout fonctionne. Et du coup, on s'était laissé ici où justement, on avait découvert en fait un petit peu ce que désirait Sigurd. On avait pas mal avancé dans l'histoire de Assassin's Creed, les gars. Donc du coup, c'est parti. On va quand même un peu fouiller la zone. Je veux juste voir s'il y a encore des choses qu'on doit aller fouiller à l'intérieur. Non, on va pas aller retourner dans la minus. Alors, note à propos de Cassandra. Voilà qui doit être sans précédent. Eivor a rencontré Cassandra. Cela signifie que Leila, en tant qu'hôte de l'Animus, a rencontré une autre hôte d'Animus dans la simulation. Leila aurait-elle pu remarquer quelque chose de étrange apporté dans l'Animus pendant la soudaine apparition de Cassandra? Et coucou, Yamir! Ma belle, si tu bouges, tu vas finir menottée. Par qui? Par qui? Par toi? Eh ben, dis donc. T'es même pas capable de monter sur une petite pile de je sais pas quoi pour aller faire du hula hoop allongé, tu vois ce que je veux dire? Comment ça va? Au-delà du bâton, aurait-il pu ressentir la présence de Leia, sa gardienne actuelle? J'ai tant de questions à lui poser. Mais c'est une musique! Ah pardon, j'ai pas la ref. Bon, en fait, on avait tout fouillé ici, on va pas rentrer dans l'anonymus, on va aller avec notre ami qui nous attend justement. Je suis prête. Le chemin va être long. Allez, grimpe! Et c'est parti! Bon, ça va nickel, hein. Toujours. Sauf que le temps est schizophrène. Tout d'un coup, ça s'est couvert, mais genre en mode gros orage. Ça va arriver, ça va nous tomber dessus. Et là, maintenant, il fait grand beau. Rien compris, quoi. Sean, j'y suis. Ah, bien. Ton signal commence déjà à être instable. Tu es à l'intérieur? Pas encore, mais il y a une trentaine de mètres de glace devant moi. D'accord. On risque de perdre le contact quand tu passeras. Alors rappelle-toi ce qu'on a dit. Suis tes instruments, et surtout pour les radiations. Ah, et garde le bâton près de toi. Compris. Stand by. Pour le moment, il s'est arrêté de pleuvoir. Ouais, non, mais tu vas voir, ça va reprendre. Puis après, ça va peut-être faire hyper beau avec Ah, ce bâton, qu'est-ce qu'il va nous faire, ce bâton? Elle a retenu ce qu'avait dit Sigurd, donc. J'y suis. Bien. Tiens-toi. N'arrête pas la matière. Ralentis un peu le vent. Ton pépénaire doit continuer à protéger la scène. Bien reçu. On sent que ça grésille, hein. On sent que ça grésille, moi je vous dis. Après 75 000 ans, on n'est plus à un ou deux millénaires près. Oh, c'était drôle ta petite phrase. La hein. Température augmente déjà. Oui, d'après nos calculs, elle devrait monter d'environ 16 degrés Celsius. D'où est-ce qu'elle vient, toute cette énergie? Elle est tectonique. Les déplacements de la croûte terrestre, le magma juste en dessous. C'est une source d'énergie colossale. Une technologie pour les humains. De l'énergie, pas des fragments d'Éden. Eh bien, quand tout ça sera fini, on pourra monter une tartane, vous voyez, avec un petit espace de travail et un van, rien que nous. Je te reçois mal, Sean. Coucou Nana! GG pour le 15h15. J'appellerai quand je serai en haut. Oh purée! Donc la dernière. C'est parti.
Vous avez souvenir qu'il y avait de l'eau quand on y était allé? Ah non, mais non, tout était gelé. Avec Sigurd des Eivor, tout était gelé. Vous vous rappelez? C'était sous une montagne de glace. Comment ça va, Nola? Alors, bon, du coup, là, voilà. Ici, la température s'est réchauffée. C'est magnifique, hein, soit dit en passant. Donc, du coup, cette machine, en fait, nous permet de nous protéger. J'ai pas tout compris, je m'en souviens plus exactement. Des débris dans l'espace, je crois, si j'ai bonne mémoire, ou un truc comme ça. Et du ça coup, a dû s'effondrer en fait. Quand la glace a fondu. Bah ouais, tu veux faire quoi là maintenant? On va pas sauter. Wow. Ah oui, on va sauter, très bien. Attention. Très bien. Ok, très bien. Et du coup, il faut maintenant tenter. Provenant de toute la glace fondue. Et on grimpe haut. Soit dit en passant, c'est très beau. Hein. Je veux pas dire, hein, mais... Ah, pardon. On peut pas passer en dessous, là? Une blague? Ok, ok. Ah, on est obligé d'aller là. Alors, attendez, on va prendre son souffle. Et peu de crème d'estomac, mais ça va et vous... Oh! Mais qu'est-ce que t'as fait encore? Ok. Ok. Là, du coup, on a fait le tour. Très bien. Là, du coup, on peut monter. On monte. C'est joli parce qu'on découvre en fait que la. Ça donne une autre dimension en fait à la structure, hein, puisque du coup, tout a fondu. C'est très joli de voir les dessous, justement. Je sais pas. On regarde pas en bas. On regarde pas en bas. Bah meuf, je sais pas où est-ce que tu veux regarder, mais moi je regarderai pas non plus en bas. Hein. Ah non, on était dans le mauvais sens. Et non poser une tente. On va tenter et non poser une tente. Oh, Yamé, tu me fatigues. On n'aurait jamais dû envoyer des vidéos comme ça, hein. Ça l'a mis dans tous ses états, le pauvre. Où est-ce qu'on va? Non, c'est juste. Ah, je viens de comprendre. Voilà, j'avais pas vu ici. Ok. J'avais pas vu à cause de la cascade. Très bien. Ok, là on peut grimper. J'ai dû manger épicé, mais ça fait des brûlures d'estomac. Ah bah oui, alors si t'as mangé trop épicé, effectivement, ouais. Évitez tout ce qui est boisson sucrée pendant un petit moment. Trop sucré en tout cas, ou gazeux. Et puis manger genre du riz, sans que ce soit trop épicé. Faut éviter la crème à tout prix, parce que ça, c'est pas bon en fait. Ça fait remuer, ça rend l'estomac lourd. Et genre tout ce qui est féculent, genre quinoa, genre de choses quoi. Voilà. Ouh ! Elle est au taquet la petite dame, hein. Je veux pas dire, hein, mais. Hop, vas-y, hop. Non mais t'as envie qu'on meure en fait, meuf. C'est pas possible à ce stade-là. Moi je mourirais. Hein. Je mouriterais. Très très fort. Ça c'est sûr. Donc là on est en train de grimper la structure. Tu poses la question à qui, Nola? Franchement, faudrait être totalement maso pour pouvoir grimper comme ça. Hein. Moi, je le ferais pas. Hein. Moi, j'aurais trop peur. Hein. Vraiment, je vous le dis. Ouais. Aventurière, mais ma vie aussi. Hein. Hop. Ok. Voilà. Ok, on y est. Ah!
Bah écoute, ça qui va. Qui pourrait avoir envie de finir sa vie ici? Sauf s'il pensait que c'était le commencement. Bah justement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été un petit peu dupés, madame. Bah écoute, ça va, nickel. Franchement, levé ce matin, on est allé voir les anciens propriétaires à Rosy. Tout s'est bien passé, et puis on est rentré. Et puis ouais, il faisait un petit peu chaud, mais ça va. Regardez, il y a encore les champignons. C'est génial. Je sais même pas pourquoi je la fais manger. Oh là là. Regardez-moi ça. J'irai pas au centre si j'étais toi, Laïa. Exactement comme l'animus. En fait, il aurait fallu que tu le laisses dans le dos, ton sceptre. Mais bon. Ah, mais c'est trop bien, ça. Oui, c'était sympa, On allait voir un petit... Où sa simulation? Bon, qu'est-ce que je dois chercher? Est-ce que je le saurais en le voyant? On a bu un petit coca, on a discuté, c'était pas mal, mais parce qu'il faisait vraiment chaud. J'aurais bien voulu faire une balade avec elle, mais le problème, c'est que... Ben, vous voyez bien le délire, hein, c'est... Mon Dieu, mais il y a tout qui bug. Regarde. Quelque chose de bizarre. Ouais, il y a tout qui est figé. Oh, waouh. Ok, on peut grimper par là? Où est-ce qu'on... Où peut-on aller? Ok. Ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose de bizarre. J'ai pas compris. Ok. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, il fallait retourner en arrière, ok. Coucou Est, comment ça va? C'est vous qui faites ça? Ah, toi, t'es au Valhalla. Eh oui! Vous poussez cette machine à ses limites? Nous n'arrêterons jamais. Alors, nous allons obéissant à notre maître. C'est une machine indépendante, en fait, j'ai l'impression, surtout. J'adore. Ils sont en train de dessiner des... Ok, tout va bien. Bonjour. Qui est votre maître? Est-ce qu'il est là? Comment ça va, Ace? Ah mais du coup, Nola, t'as pu voir quelques feux d'artifice, toi? Je suis au Genève ou pas? Elle me flatte. Ah, salut, toi. Je ne suis qu'un invité dans leur monde. Un monde fait de souhaits et d'espoir. Basim. Oh mon Dieu, Basim. T'as envoyé le message. Tu nous as menés à la tombe d'Eivor. Oui, un message prometteur, n'est-ce pas? Mais comment? Tu es piégé ici depuis un millénaire. C'est Eivor qui t'a mis à cet endroit. Certes, mais je ne suis pas seul dans ce lieu, pas toujours. J'ai un ami qui m'aide. Ensemble... C'est avec quoi ça va être le dieu, c'est ça? Après avoir localisé le probable tombeau d'Eivor, je t'ai contacté. Par l'intermédiaire du maillage numérique qui enserre cette terre comme une toile d'araignée. À notre époque, quoi ? Le monde entier était connecté ainsi. Un super organisme de technologie. Le bâton. Bon, on est tous devenus teubés en. Les temples à l'évolution, c'est ça ? Tout parle d'une même voix. Puis-je te montrer quelque chose ? J'imagine que tu peux faire tout ce que tu veux ici. Pas autant que tu pourrais le croire. Non, rien, mais ça annule, je crois. Ah oui? Encore d'une manière assez inconfortable. Mais tu peux ralentir cette machine. Tu sais comment elle fonctionne. Oui. Nous le ferons ensemble. Car une autre. Regardez. Moi, je suis sûr qu'il va. J'ai peur, en fait. En vrai, il va nous tomber dessus encore. Vas-y. C'est pas facile de te faire confiance. Tu dois le savoir. Rien ne t'oblige à me faire confiance. Mais c'est tout ce que j'ai à t'offrir. En fait, je pense que... Elle pense... Je pense que j'ai l'impression en fait qu'il attend qu'il les libère. J'ai l'impression que c'est ça. Silence, Ward, Verdandi, Skuld. Calmez-vous. Le jour de votre repos est venu.
C'est ouais, c'est un leurre, quoi. C'est fait? Bah maintenant, il peut régner sur le monde entier. Où es-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Très bien. C'est drôle parce que on est... j'ai l'impression qu'on est dans un espèce de royaume céleste. Et en même temps, pas tellement. Tout est dirigé. Recommence. Comment ça, pas encore, Ace? Leila. Bonjour. Tu me connais? J'aime bien, c'est marqué le lecteur. Oui. Grâce au calcul que je lis ici, dans le gris. Il y a 8 ans, la probabilité de ta venue était d'une sur 15 milliards, 55 millions, 3276. Avec les années... Oh, vas-y. Elle a augmenté. Pour atteindre hier, environ une sur deux. C'est un plaisir de te rencontrer, enfin. Qui es-tu? Ah. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le lecteur des calculs. Et ceci est l'ensemble des avenirs potentiels pour toi et le monde extérieur. Super. J'ai passé une bonne part de ma vie à les lire, en cherchant un moyen d'achever ce que nous avions entamé il y a si longtemps. Entamé? Ça commence ici. Tu ralentis la machine et tu sauves le monde. Et ensuite, tous les avenirs potentiels se développent. Des millions et des millions de chemins possibles. Le graphisme est très beau, hein, soit dit en passant. Hein. Mais sur chacun... Je sais que je le dis souvent, mais il est très beau. Le nœud s'effondre et le monde est balayé. L'espèce humaine s'étiole et disparaît. Je dois continuer à chercher. Vous le laissez mourir. Je dois trouver la Peut-être, solution je dis ça, je dis rien. Je dois vous laisser quelque chose. Oui, il est super bien fait, je suis d'accord, ouais. Ce nœud, c'est maintenant quand je ralentis la machine? Oui, je fais débuter tous mes calculs en ce point, car c'est la seule chose que je sais certaine. C'est assez contraignant. Qu'est-ce que tu veux dire? Et si tu remontais en 2012, au moment où Desmond a sauvé la planète? Desmond? Et s'il ne l'avait pas sauvé? S'il était parti en laissant la planète brûler? Regarde ces chronologies, essaye de les lire. Je vois, c'est une idée intéressante. C'est fascinant. Des milliards et des milliards de nouvelles chronologies à étudier. Exactement. Ces chronologies ne se sont jamais produites, mais elles auraient pu. Si Desmond n'avait pas empêché la destruction de la Terre, peut-être que les humains ayant survécu auraient tiré des leçons du désastre. Et peut-être que dans l'une de ces chronologies, ils auraient découvert un moyen de l'empêcher de se reproduire. J'adore, absolument, j'aime bien le clin d'œil de 2012 avec les calendriers mayas. Quand on passe trop de temps à réduire le champ des possibles, on ne pense jamais à imaginer l'improbable. Merci pour ton apport, Leila. Ce n'est que le début. On a des tas de données à examiner. Vas-tu rester? Jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'utile, oui. Je veux pas que tout ceci se reproduise un jour. Tu vas peut-être manquer de temps, Leila. La machine a ralenti, mais je te fais le jeu des trois mots juste après, Nola. Demeurer pendant des décennies. Selon mes calculs... J'écoute juste. Tu disposes de 73 secondes avant que ton exposition ne soit létale. Je m'inquiète pas. J'ai le bâton d'Eden. Il soigne et il protège. Non. Tu ne l'as pas. Quoi? Bah, il y est Mais plus. Comment? Tu l'as lâché. Bien sûr. Bien sûr? Merde. D'accord. T'aurais dû le laisser sur toi. On va trouver une solution ensemble. Ça prendra le temps qu'il faudra. Et si je peux pas repartir, eh ben, tant pis. C'était... Bah, il y a eu des suicides collectifs hein, en 2012 parce qu'ils pensaient que c'était la fin du monde. Alors que c'était la fin d'une ère en fait. Oui. Les traductions ont été mal faites dans les calendriers mayas. On s'y met, d'accord. Des milliards de chronologies, ça peut prendre un moment. En effet. Mais nous n'en aurons pas l'impression. Voilà ce que j'aime dans cet endroit. Ah, c'est apaisant. Bon alors, du coup, Nola, tu as fait le mot des... tu as fait le jeu des trois mots avec Genève, Stade et Choucroute. Je propose que je suis allée à Genève voir Nola, aller au stade manger une choucroute. Simple, facile, efficace. Bon, la choucroute par contre, comment vous dire? Par contre, c'est trop bête, mais le bâton, il peut pas se réveiller.
c'est Basim, ça. C'est une blague. Pourquoi c'est lui qui devait être... qui a été... C'est une purée blague. Mais non. Pourquoi il lui a ordonné? Mais non. Comment ça se fait qu'il est... Tu es avec moi. Comment ça se fait? Cela a parfaitement fonctionné, ma chère. Le faux est-il là? C'est promis, non, si tu viens à Genève, je te fais voir autre chose que de la choucroute. Ah, c'est trop gentil, que... Nola, merci beaucoup. Elle est là? L'héritière des souvenirs a tenu son rôle à la perfection. Qu'est-ce que tu me ferais voir, si c'est pas de la choucroute, du coup? Et maintenant, un nouveau monde nous attend. Oh là là... Super. On est dans le début de la fin, c'est le bordel. Lui, je l'aime pas, mais en même temps, il... Jean, je lui en veux pas, Becca, parce que c'est un personnage très intéressant dans le sens où il pense assez... Et j'ai décidé de rester. Vous allez vous demander où je suis, et même si j'existe. Je sais pas comment vous répondre, mais j'ai pas peur. Il sert ses propres intérêts. Et je ne suis pas seule. On a du boulot. Ça risque de nous prendre des jours ou des années, impossible à dire. Mais on en viendra à bout. Ce que je veux dire, c'est... Un bon restaurant thaïlandais. Ah là. Parfait. C'est trop dangereux. Et vous arriveriez trop tard. Prenez soin de vous. Veillez sur le monde que nous avons atteint. Vous voyez, elle va bien. Enfin, façon de parler. Façon de parler? Bon Dieu, faut qu'on aille la chercher. Vous l'avez bien entendu. Elle ne veut pas qu'on aille la chercher. Espèce de pourriture. Quoi qu'il en soit, il ne reste rien à sauver. Pas après tout ce temps. À cause de toi, tu l'as laissé là-bas. C'est... Moi, ça me fume qu'il soit toujours en vie, surtout. Je suis dans la même situation. Non, mais bien sûr. T'es une classe au-dessus, toi. T'es une classe au-dessus, toi. J'adore. Nous sommes des assassins, maintenant. Plus ceux qu'on ne voit pas. De l'arabe à Chachin. Ah. Et nous avons un mentor. Cela se pratique toujours. En effet, oui. Il apprend vite, hein, mine de rien. Son nom? William Miles. William Miles. J'aimerais rencontrer William Miles. Vous voulez bien me mener à lui? On peut l'appeler. Sur une ligne cryptée, tu pourrais lui parler tout de suite. Pas de technologie. J'ai pas confiance. Face à face, entre esprits. Il est temps de porter quoi, t'as le une combat idée derrière la tête. C'est templié, comme vous les appelez. Le père des démons, Miles. De Desmond, pardon. Ah d'accord, ok. Je n'irai nulle part, mes amis. Votre animus est en de bonnes mains. Qu'est-ce que tu en sais? Ma chère, nous avons inventé ce genre de choses bien, bien avant vous. Je saurai me débrouiller. Ça va péter. Ça va foutre le bordel. La porte d'entrée est dans un frigo. Ah non, mais c'est génial ça par contre. Bon, on va boire un verre dans un bar. Je te laisse entrer dans le frigo par contre. Hein, quoi? Le cadavre. C'est un bel endroit pour mourir, Eivor. On ne peut pas toujours choisir. Tu m'as battu. J'ignore comment, mais tu as réussi. Pourtant, c'est moi qui suis vivant.
Et je peux maintenant te prendre tout ce que je veux. Tes souvenirs, tes talents, tes secrets. Ils sont tout à moi. Et quand je les aurai, c'est horrible, ça. J'en ferai bon usage. Afin de retrouver mes enfants et de réunir ma famille. Ok, bon, super. On se retrouve à jouer Basim, du coup. C'est génial, mine de rien. Soit dit en passant, je trouve ça incroyable. Et en même temps, je me dis... Lui, vraiment... Voilà pourquoi il a ressuscité. Oui, bon, on avait bien compris. Le truc, c'est que je comprends pas comment ça se fait que la machine l'a lâché, lui. Elle aurait dû garder le bâton sur elle, hein, l'accrocher ou j'en sais rien quoi. Attendez, je veux juste voir. Qu'est-ce qu'il parle si on... Oh, l'odeur merveilleuse du feu de bois. Heureusement que certaines choses ne changent jamais. Alors ça, c'est sûr. Le mec, il est un peu trop à l'aise. Hein. Je sais pas combien de d'années... Bref, moi et les dates, je suis toujours un peu une catastrophe, mais... Je veux dire, ça me fume. Magnifique. Ça me fume à quel point, en fait, le mec, il est à l'aise blaise avec... Bref, la technologie, ça le dérange pas plus que ça. La période aussi. Un millénaire, ok. Mais ça me fume à... Vraiment, hein, je le dis sincèrement, ça me fume à quel point il est autant à l'aise. On va voir un petit peu. Magique. Comment ça magique? Il n'y a rien de magique. C'est trop demander une interface télépathique? Ou dois-je vraiment me servir de mes mains et de ma voix? Oh, c'est nul, ça. Quand même, Basim, t'abuses. Tic-tac-tac, ça, on l'avait déjà lu. Je regarde juste un petit peu, voir... On vient de le lire. Ouais, d'accord, il n'y a rien qui change, quoi. Je veux juste voir en fait si il réagit face à ce qui a été marqué. Je crois pas. Comme on a déjà tout lu. Je ne crois pas. Bon allez, c'est parti, go. De toute manière, on va pas... L'effet de transfert ne devrait pas tarder à se manifester. Quelques jours, tout au plus. Alors, allons-y. Allons-y. C'est parti. Ah, mince, alors prends le bâton, il va réagir. Ah, mince. Je sais pas où il a posé le bâton. À côté. Bon bah désolé les gars. Mimi est pas venue. Alors, je sais qu'elle s'est couchée tôt, on peut dire ça comme ça. Tôt, très tôt ce matin ou très tard. Alors peut-être, je sais pas si elle dort ou bien si elle se repose. Je sais pas. Aucune idée. Faut lui poser la question. Parce que je sais que Vilain Pardépice était en train de faire ses papiers de tout à l'heure.
Oh, je sais pas si ça vous le fait pareil. Tout d'un coup, moi j'ai des coups de barre, c'est incroyable. 10 coups de barre, puis après ça revient, mais là, j'avoue, celui-là, il veut pas trop passer. Hein. Je viens juste de me réveiller. Ah bon, mais tu t'es couché à quelle heure? Toi aussi? Ah ouais, moi c'est un délire. Hein. Les petits coups de barre, là, tout d'un coup, ça... Tu sais, genre, quand tu réactives et puis t'as un petit coup de barre, bah ça va, tu vois, tout d'un coup, ça se réveille, ça se remet en fonction. Mais quand t'as un coup de barre et puis que t'es posé, ah, alors ceux-là, ils veulent pas du tout passer. J'osais envoyer sur Insta le bar que je vous parlais. Ah, merci Nola, j'irai regarder. Du coup. Super tard, mais à quelle heure, aucune idée. Ah bah du coup, t'as un peu festoyé quand même. Et... Ah, nous revoilà à Ravensworth. Elle s'est quand même... ça marche, Nola ? Elle s'est quand même reçu un coup de poignard dans le... dans les côtes, hein, ça fait super mal, là. Ça marche ! Des bisous, Yamé ! Merci d'être passé ! Bonne soirée ! Eivor, Sigurd ! J'aime bien les cinématiques, en vrai, ça fait vraiment plaisir. Hein. C'est bon cool, retour, justement. Parce que je me disais, purée, on en a pas beaucoup non plus. Mais du coup, j'ai pas tout compris ce que Sigurd veut faire maintenant. Il veut partir pour aller mourir ou ça se passe comment? Il veut aller au Valhalla, c'est ça? Parce que lui, on a l'impression que lui, il kiffait cette vie, quoi. Eivor. Assieds-toi un instant. Et repose-toi. Sigurd. Pour moi. Oui, bah laissez-moi essayer d'avoir une idée, hein. Tu veux pas enlever ton équipement, Eivor? Non, d'accord, très bien. Tu es de retour, c'est un don des dieux. Debout, et en forme. Est-ce que... Plus que jamais. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Nous l'avons trouvé, oui. Mais ce n'était pas pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je... Eivor est de retour, à l'intérieur, près du feu. Venez. Ton secret est éventé, semble-t-il. Quel secret? Eivor, Randy, qu'est-ce que ceci? Est-ce que tout va bien? Notre Jarl Skona est de retour pour nous mener vers un avenir incertain. Parleras-tu au tien? Bah oui, il faut leur parler. Amour c'est et chaud, joie, quand même. Les mots peuvent trahir. Et nos âmes s'unissent en un chant commun. Et lorsque... Non. Non. Vous êtes moins à moi que je ne suis à vous. Et je ne demande qu'une seule chose.
à l'avenir. J'aime bien la façon dont comme elle parle. Alderois, prêtez l'oreille. Oh, cette chanson, incroyable. Des flots, mes mots s'éveillent. Bon, d'accord. Vous retenez ? Ton honneur chante sans pareil. Ce sera notre nouvelle hymne, les amis. Hein. Le chemin et son regard regarde Odin. Là, l'écorce sonne ton cœur. Pour ceux qui luttent, pour ceux qui meurent. J'aime bien la cinématique, franchement, je trouve ça chou. Ok. Très bien. Ouais, il chante super bien. Oui, bah alors on est complètement d'accord. Tu sais ce que j'étais en train de me dire aussi ? Chant de groupe, mais on a entendu que genre deux voix. Tu sais, ça me fait rire. Plus un groupe à ce moment-là, c'est un duo. Alors, il y a des alliances de partout, c'est parfait. Oui, donc. Sigurd. Eivor, avant tout, j'ai quelque chose à te dire. Ranvi et moi. Je suis Jarl, exactement. Nous avons mis fin à notre union. Je suis désolé de l'entendre. Ne le sois pas. Nous nous apprécions beaucoup, mais notre mariage ne reposait pas sur l'amour. Il a été conçu pour assurer la paix. J'ai été promis à Ranvi avant de la connaître. Et même si nous avons tenté d'aplanir nos différences et d'apprécier les défauts de chacun, cela n'a rien donné. Alors nous avons dissous notre union. Mais en tant que clan, nous grandirons ensemble. Dans ce cas, je suis heureuse pour vous deux. Et pour le reste d'entre nous. Cet endroit ne serait pas le même sans vous. C'est ouf, mine de rien. Parce que Sigurd, il me fait penser vraiment au genre de personnes qui font du développement personnel et qui vraiment s'éveillent spirituellement dans le sens de la connaissance de soi, vous savez, la connaissance de nous-mêmes, la connaissance des autres aussi, puis le comportement qu'on veut donner aussi en termes, je mets des gros guillemets, hein, avec l'énergie qu'on veut rendre, etc. Et vraiment, j'ai l'impression que même s'il a été mis à mal par Fulke, il a compris tellement de choses. Vous voyez, je sais pas comment expliquer ça. C'est trop drôle. Bah oui, tout à fait. Bon. Te souviens-tu de ce dont nous avons parlé, Ranvi ? Cette affaire de cœur ? Oui. Je n'ai que des sentiments d'amitié à t'offrir. Rien de plus tendre. J'en ai peur. Je comprends. Merci de ta franchise. Je ne t'ennuierai plus. Si. Viens m'ennuyer tant que tu veux, mon ami. Avec des récits et des chants d'aventure. Promets-le-moi. Cela. Y'a Mimi ? Bonjour, Mimi. Bon, au moins, on dit les choses. Parce que c'est vrai que c'est pas le personnage avec lequel... J'aimerais voir la carte des alliances. Elle est repartie. Ah bah oui. Elle a fait un petit coucou bonjour. Hop là. Le Hamptonshire. La dernière place forte saxonne. Et par conséquent très bien gardée. Elfred se prépare à la guerre. Attends-toi à une forte opposition. Qu'Elfred s'y attende aussi. Le Jarl Guthrum est sur place avec son armée ? Oui. Ubbe et lui ont rassemblé des forces impressionnantes et comptent bientôt attaquer Elfred. Si nous soutenons leur assaut, l'Angleterre nous appartiendra. Elle deviendra un royaume païen où pourront s'épanouir de nombreux dieux. Eh ben... Ben on va y aller, hein. Au Hamptonshire. Je vais aller dans le Hamptonshire voir Guthrum. Dis à nos alliés de se rassembler sur la Thames, juste au dehors de ce comté. Entendu. Puissent les dieux sourire à notre victoire finale.
Alors, bah du coup, on va y aller, hein. Mais alors, pourquoi? Ah oui, on va aller par là. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on a sauté. On a sauté dans la maison. J'ai la plante que tu as demandé. Ça n'a pas été sans mal. Bien, bien. Merci, Eivor. T'as rien, mais je comprends pas, là. Je capte pas, là. Pourquoi est-ce qu'on a sauté d'une baraque à une autre? Ah, on va retourner dans le monde des rêves, d'accord. Voilà. Sois prudente. Ce liquide te glacera les lèvres, mais te brûlera à coup sûr les entrailles. Super. Oh, magnifique. Bon. On va voir ce que ça cache, et puis après on va aller au... C'est quoi cette tête? Vous avez vu? Oh, le bug, c'est génial. Oh, j'espère que quelqu'un a clip, c'était trop drôle. C'est super beau là-bas. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'adore. C'est un univers vraiment que je trouve très très beau, même dans les décos et tout. Tu sais, il y a un truc un peu apaisant comme ça. J'aime trop, nous nous sommes envolés dans les cieux. Attends, t'as pas fait l'aube du Ragnarok? Mais laisse-moi arriver quand même. Et ça... Ah, tout est joli, très bien. Nous sommes en plein hiver. Franchement, le côté que ce soit vraiment sous terre avec plein de racines et tout, ça me fait trop rire. Le Jotunheim. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mis les pieds ici. Je dois trouver Angorboda, la sorcière. Elle sait tout ce qui se passe ici. Ça, c'est sûr. Alors, moi je propose que dans ce lieu, on fasse uniquement les quêtes principales. Quoique ça aurait été bien d'avoir... Que les quêtes principales, on va pas non plus s'expandre sur des quêtes secondaires, etc. Au pire, moi je le ferai moi de mon côté, mais... Ah, mais c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Hop là. Pardon. Hop. Prendre un renne. Bah oui, on va monter un renne, tiens. C'est pas mal. Des bisous, et merci d'être passé. Bonne journée, profite bien, n'oublie pas de t'hydrater. Bon, on profite d'avoir des rennes, hein, donc on se déplace en rennes. Hein. Écoutez les gars, hein. Merci. Oui, je bois de l'eau. Toi aussi. D'ailleurs.
Alors. Ces bois respirent la magie des Yotnar. Les apparences y sont trompeuses. Hop là. Ouais, il y a des trucs un peu chelous là qui. J'entends des voix. Moi je vous dis qu'on entend des voix. Au revoir. Inspecte les alentours, Zinine. Ok. On est anonyme là. La maison d'Angerboda était ici à ma dernière visite. Elle y est peut-être encore. Est-ce que c'est par là? Ah bah attendez. J'aime bien, vraiment, c'est très beau, hein, soit dit en passant. C'est bizarre. Hop. C'est un peu bizarre leur histoire. Hop. Hop. Alors, la maison est masquée par la magie des Yonhar. Ok, très bien. Attendez. Déploie tes ailes, Sinine. Alors, la maison était là. Ah oui, il y a une clé là-bas. Je grimpe alors. On va grimper. Oh, mon rêve de gosse. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça dans la vraie vie? Genre, moi, je voulais me grimper dans des gros arbres comme ça, genre. En mode petit singe. Oh. Elle est où, la clé? Elle est plus haute? Ah non, elle est là-bas. Chier de merde. Ok, super. Je me suis trompée de côté encore. Non, je peux pas. Non. Bon. Hop. Je suis rien. Ah, peut-être. Les racines là-bas. Maybe, I don't know. Là, Eva, tu fais un peu... Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Ouais, il faut que j'aille par là. Que je grimpe. Alors je ne sais où. Par là. Ok. Et puis ensuite, alors, je grimpe par là. Ok. Il accroche là-dedans. Il y a une chouette! J'adore le bruit des chouettes. Vraiment, je vous le dis sincèrement, j'adore ça. Comment est-ce qu'on peut grimper là-dessus si... Je n'ai pas... Ah, peut-être de l'autre côté, en vrai. Là. Ou alors... Attendez. Comme ça. Ok. C'est un vélo, non? Ah, là. Voilà. Attendez. Non, non, mais vas-y, que... Bouge, 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 bouge. La clé. En fait, j'essaie de chercher la clé, surtout. Voilà. Je suis juste. Donc. La clé, elle est... Hein? Elle est là. Je comprends pas. J-
J'ai pas tout compris là. J'ai pas tout compris. Pardon pour les chiens. Okay. Alors là, il y a là. Ok, très bien. Et la clé, elle est là en fait. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils me disent qu'elle est pas là. Oh, chier de merde. Tu montes. Oui, je suis en train de monter, t'inquiète. Je suis en train de chercher la clé surtout. Je suis en train de chercher la clé qui me disent qu'elle est là sans être là, que je sais pas où elle est, mais que elle est là. Voilà. Des fois, j'ai l'impression qu'elle fait exprès. Je regarde si, à tout hasard, elle serait pas par terre, mais je crois pas. Ça va, Ozzy ? Je vois pas. Alors, du coup, hop. Non, elle est vraiment... Ok. Moi je comprends pas. Pourquoi il me la met là? Si elle est pas là. Regardez-moi ça. Je comprends pas. Allez, grimpe, grimpe. Ok. Je sais pas ce qu'elle fait. Hein. Je. Allez, grimpe, grimpe. Ah. Et voir, je sais pas trop ce que tu fais, mais là tu me gonfles. Et là, ces espèces de cordes là, on peut pas y aller ? Ah mon dieu, mais c'est. Ok. Très bien. Je vous avoue, les amis, je ne sais pas ce qu'elle me fait. Hein. En fait, c'est surtout, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la clé est là-bas et que je peux pas la prendre. Mais bon, peut-être que ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Alors, où est-ce que je peux grimper ? Là, ici. Non, fais pas de la merde. Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Ok. Ok, ok. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle me fait? Parce que là, je pourrais être potentiellement en train. Qu'est-ce qu'elle me gonfle quand elle fait ça? Allez! Ah bah voilà! Allez, grimpe! Voilà. Pourquoi est-ce que tu peux pas grimper là? Y'a rien de compliqué. Merci. Non, je t'ai demandé de grimper en fait, meuf. Là,
Qu'est-ce qu'elle me fait? On est d'accord, je vois pas d'autre chemin. Après, elle s'agrippe là, puis après, on fait le tour. En vrai, la maison, je pense qu'elle doit se trouver là-bas en dessus, hein. Là, je comprends pas. Là, j'avoue, je comprends pas. Là, j'ai un truc... Ok. Peut-être que je sais pas, j'ai rien compris à ma vie. J'en ai aucune idée, les amis. Ok. Là, c'est pour descendre. Ok. Non, elle saute pas. En vrai, ce jeu, des fois, il me casse les couilles parce qu'on prend, on perd 3000 ans. Pour rien du tout. Vraiment, je vous le dis. Là, par exemple, on peut pas marcher dans sur le fil. Je ne comprends pas. Ouais. Vraiment, il y a des choses, vraiment, je ne comprends pas. Allez, saute! Accroche-toi. Voilà. Allez. Merci, fais un effort. Voilà. J'essaie de voir un petit peu. Aide-moi, deviens mes yeux. J'essaie de comprendre où est cette maison. Pour moi, il faut que je grimpe. Mais... Je sais pas, j'aurais dit genre la maison, elle est là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Vous voyez? Genre pour moi, la maison, elle serait là. Ah non, peut-être pas en fait, hein. Oh, vas-y, toi aussi t'es difficile à piloter. Allez. Hop, par contre, je t'ai jamais dit. Voilà. J'aurais pensé genre un truc ici. Mais apparemment pas. Alors ça veut dire que c'est plus haut? Ou bien? Ce serait genre là-bas? Non, c'est pas possible. Je comprends pas. Ah, j'avais pas vu, il y a un symbole là-bas, attendez. Attendez, je l'ai pas vu, le symbole. Il est là. Oh mon dieu, on a passé 3000 ans. La maison de la sorcière. Nous y sommes. Des illusions. Mais tout obstacle peut être surmonté, si on l'observe correctement. D'accord. Bon, en fait, c'est pas dans l'arbre. Moi, je pensais qu'il était dans l'arbre, en fait, cette maison. Alors. C'est des illusions. Voilà. Alors, ça c'est fait. Alors,
À mon avis... c'est... derrière les stalactites ou... c'est... à mon avis, ça doit être derrière les stalactites. Il y a une histoire comme ça, je suis sûre. J'ai pas compris. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on a réussi quelque chose? Non, on n'a rien réussi du tout, les amis. Oh, c'est très beau, hein, sur du temps passant, c'est magnifique. Alors, tout dépend de comment est-ce qu'on regarde. Il y a un enchantement, très bien. Où est l'enchantement? Je ne sais pas à quel moment on rentre. Ça, c'est une grande histoire. On peut porter celui-là? En fait, il n'est pas réellement mort. C'est ça? Alors ça, ok, très bien. Est-ce que si on monte depuis là... je sais pas, hein. Moi je me dis, elle me disait genre plusieurs points de vue. Donc, il faut regarder via différents points de vue. Je sais pas, hein. je me dis tellement de choses en même temps. Alors, zone d'interrogation, ok. Magnifique. Très bien. Alors, on est arrivé ici. Je suis sûre qu'il y a un truc avec... ok, non... ah, c'est depuis là alors. L'entrée est depuis là. Non, on dirait pas une entrée. Alors si on prend ici, il faut qu'on soit... au premier arbre. Genre ici. Non, c'est pas possible. Non, là c'est pas possible par contre. Là, il y a un truc où on s'est un peu loupé. Alors. Alors. Admettons. Ou alors, c'est celui-là, c'est les deux entrées. Vous voyez ce que je veux dire ? Si admettons que ça fasse comme ça, en fait l'entrée se trouve ici, je suppose. Donc en fait elle se trouve là ? J'aurais plutôt l'impression par ici, ouais. Mais c'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Après, je me suis dit, est-ce que on serait pas là?
Non, mais c'est pas non plus juste. Ah non. Con, elle. Va voir, Sinin. À moins que l'entrée soit sous les roches, de ce côté-là, qui serait totalement possible. Là, c'est pas possible. Là, c'est la façade. Là, je comprends. Ah, cette énigme me casse les fesses. Vraiment, là, je perds du temps. Vraiment, ce plan ne nous dit pas grand chose. Ah bah si, en fait. Qu'est-ce que je suis bête. La pierre. Là, on a la maison. Mais je suis trop con. Vous m'avez rien dit, genre. Anisha, il y a une maison derrière. Anisha, il y a une maison derrière. Anisha, il y a une maison derrière. Ah. Bon, allez. Est-ce qu'elle a des petits trucs par ici pour nous? Elle est où? Alors, note d'Agrabah. Ce que nos visiteurs peuvent crier quand je travaille sur eux, des hurlements qu'aucune douleur physique ne peut causer. Si seulement je pouvais les réconforter, la brûlure purifie et nettoie, et il ne reste que la pureté. Quel supplice de se voir empuré de ses illusions, de connaître sa vraie mesure et de savoir mes signes francs et sordides. La vérité est difficile à accepter, mais je vais les obliger à l'affronter à la fin. Et tous ils verront. Bien. Disons qu'elle fait que son travail, hein. Tu es imprudente, Hirokin. Midgard n'est pas un sujet pour tes expériences. Non, en effet. C'est une vaste grange remplie de vermine et sur le point de craquer. Tu sous-estimes les humains, comme tu l'as toujours fait. La fin venue, ils nous survivront tous. Ce sont des pillards sans cervelle qui nous détruiront et hériteront des neuf mondes. Je ne peux le permettre. Je t'en prie, entre. Ne prends pas la peine de frapper ou de t'annoncer. Angerboda. Ah bonjour. C'est quoi cette voix? Et tu as eu le courage de venir sans escorte. Et où bah oui. Le renard noir qui se love sur ma couche. Nous sommes en mauvais termes. Il s'est fait de nombreux ennemis parmi les dieux. Mon petit Loki. Il faut le connaître pour l'apprécier. Enfin, le connaître un peu. Je ne suis pas là pour Loki. Je cherche à comprendre la magie des Jötnar. Savoir comment vous déplacez le Ougre d'un corps vers un autre. L'hydromel. Tu cherches l'hydromel. Hirokin. Pourquoi l'hydromel? Tu devrais être parti depuis longtemps. Alors je vais m'en aller. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit, Angerboda. Avec le temps, tu te rangeras à mon avis. Ok, donc même entre sorcières et ça se dispute, c'est parfait. Vous parliez des humains de Midgard, je crois. Vraiment? Pourquoi les Jotnar s'intéresseraient-ils à des êtres si inférieurs? Parce oh bah que super. Tu les sais courageux et ambitieux. Tu en sais long, je vois. Mais pas assez pour te sauver. L'hydromel dont elle a parlé, où vais-je le trouver? Sa langue a fourché. Oublie ce que tu as entendu.
N'essaie pas de jouer avec moi, sorcière. Tu es prête à tout vendre tant que le prix te convient. Encore faut-il avoir de quoi payer? Il existe une racine appelée griffe de chouette. Elle pousse au pied d'une cascade, au bord de la forêt. Rapporte-moi 3 racines de l'endroit où on trouve de la mousse rouge. Ensuite, nous parlerons de l'hydromel. Je vais te prendre au mot. Bah super, c'est pas comme si on avait que ça à faire, magnifique. Hop. Voilà. Alors, du coup. Là où il y a des racines rouges. Mis à part ça, mais tout est rouge par ici. Je veux pas dire, hein, mais... On est presque infligeant. Hop là. C'est magnifique, soit dit en passant. Alors. Oh bon, c'est bon quand même, toi. La cascade devrait être près d'ici, mais je ne la vois pas. En cherchant, je trouverai peut-être le moyen de voir l'invisible. Ça me fait rire parce que vraiment... Allez, allez, grimpe. Pour moi, la cascade, ça devrait être ça, genre. Cette contrée sait cacher ses secrets, mais aucun ne me résiste. Interagir. Alors, gravure et ancienne. Au temps passé, cet endroit maudit a vu des enfants venus 3 fois crachant la vie. Crocs de verre, griffes de loup, la demi-mort à la fois de fée et pourriture. Ah oui. Un étranglé et un avalé, un garde humilié. Super! C'est absolument pas gore. Ah, d'accord, tout est une vision. Anger Boda a dû le chercher là où on s'en fout. Ok. Une caverne sous le lac. Cette région est sauvage, mais regorge de merveilles. Ah oui, c'est très beau. C'est ça la mousse rouge. Qu'est-ce que tu me fais chier? Elle est là ta mousse rouge. Incroyable. C'est très beau hein, soit dit en passant. C'est magnifique. Hop, ok. Bon bah on est obligé de traverser en fait les cavernes, les machins, découvrir encore plus. Je me demande des fois comment on arrive à ne pas se. La barbe du tort. Je n'en crois pas mes yeux. Les grandes racines d'Yggdrasil s'étendent à ce monde tout entier. C'est magnifique, hein. C'est extrêmement joli. Où est-ce que je dois aller? Humide et lent. Humide et lent. On dit qu'il en est de même pour elle. Je peux pas. Alors, il est où? Allez, là-bas, ces petites racines. Ok, très bien. Alors... C'est magnifique, on dirait que je suis dans un pays enchanté, c'est tellement beau. Ce doit être la griffe de chouette dont a parlé Anger Boda. Une racine âcre. Il devrait y en avoir d'autres près d'ici. Avec les petites lampiotes et tout. Ah non, c'est vraiment trop beau. Hein. C'est super beau. Hein. C'est magnifique. Alors... L'air a une odeur étrange par ici. Une racine supplémentaire devrait suffire. Ah.
Alors, hop, je vais juste voir. Ou est-ce qu'elle nous cache une troisième? À moins que ce soit ici en bas. Je crois pas, oui. Où sont ces maudites racines? Alors ça, merci de les avoir posées hein, comme question. Ça, c'est la porte de sortie. Okay, ça, c'est la porte de sortie. Alors, moi je pense que on doit aller par là. Voilà. C'est magnifique, soit dit en passant. Vraiment, je sais, j'arrête pas de le dire, mais c'est trop beau. Cela suffira, Enger Bodar. Il faut que je ressorte. Je vais voir parce que. Hop, il y a un truc. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça? Je ne sais pas. Hop là. Lâche, merci. Ah, ok, très bien. Donc en fait, on pouvait passer par là. Ok, bon, très bien. Écoutez, on va rien dire. Je n'avais point vu qu'il y en avait une qui nous... qui était à côté de nous. Hop là. Alors, on va aller... on va sortir d'ici. Mais vraiment, comme caverne, c'est extrêmement beau, hein. J'aime bien parce qu'il y a vraiment plusieurs ambiances et ça, on peut rien dire. L'odeur de cette racine me retourne l'estomac. Allez, c'est parti. Peut-être que la racine, elle a une durée de vie bien spécifique, hein, c'est possible. Vraiment, c'est magique, hein. J'adore. C'est très très beau. J'aime beaucoup l'ambiance aussi que ça donnait. Parce que c'est à la fois apaisant, puis il y a des choses à faire. Enfin, non, en vrai, c'est hyper cool. Ouais, mais c'est une question de vue. Alors, la maison est là, mais c'est une question de vue. Alors, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Ah bah voilà. Ah voilà. Ok, très bien. Donc en fait, il faut toujours... En fait, c'est entre les deux arbres. Ok, j'avais pas compris. À chaque fois que je me fais avoir... J'ai fait ce que tu as demandé. Maintenant, où est mon savoir?
Laisse-lui le temps d'infuser. Elle va nous les faire boire, je suis sûre. Voilà. Un élixir pour te préparer l'esprit. On fait un rêve dans un rêve dans un rêve. Purée, c'est Inception, cette histoire. Comment cela m'apportera-t-il l'hydromel ? Cela ouvrira ton esprit aux secrets du monde. C'est ouf, ça, quand même. En attendant, parlons d'Asgard. Comment se portent vos défenses depuis la dernière attaque ? C'est un peu la catastrophe. Nous avons été affaiblis par traîtrise. Si nous n'avons pas le temps de rebâtir, nous risquons de succomber à une nouvelle attaque. Non, je ne voulais pas dire cela. Je me sens étrange. La griffe de chouette est parfaite pour délier les langues. Bien. Tu as dit que tu voulais l'hydromel. Mais à quel point ? Qu'accepterais-tu de sacrifier pour te libérer des entraves du destin ? Oh, je sais pas. Donnerais-tu ta langue ? Ta main ? Ta vue ? Je sais pas, ça a l'air bizarre. Je donnerais volontiers tout cela. Et plus encore. J'aimerais bien voir ça. Oh, super. Loki, quel est ce tour ? J'ai sapé tes forces, Javi. Et si tes réponses me déplaisent, je te prendrai la vie. Tu pensais que je te laisserais en paix après ce que tu as fait à mon fils ? Notre fils. Fenrir. Un nom que tu as déjà entendu, je crois. Allez. Oui. Lors du dernier combat, le loup Fenrir aura raison de moi. Maintenant que tu sais, et que tu ne peux plus me tromper, dis-moi, que comptes-tu faire de lui ? Ah, on n'a vraiment pas le choix. Regardez ça, je vais le tuer. Je veux sa mort. Mais c'est en vain. Je t'ai juré quelque chose, Loki, et je ne briserai pas ce serment. Je ne le tuerai pas. Fenrir demeurera prisonnier jusqu'au jour de la prophétie, où nous nous affronterons sur le champ de bataille, comme le veut le destin. Alors, nous t'entraverons jusqu'à ce jour, comme tu entends entraver notre fils. C'est un poison. Œil pour œil. Ils sont pas très sympas, hein, les deux, hein. Tu vas manger quoi ce soir, Mola ? Ils sont en train d'essayer de l'étrangler ? Je vois qu'elle t'a laissé en vie. Tu as dû faire quelque chose de bien. Laisse-moi t'aider à descendre de là. Ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Bordel, assuré. Ah, merci, madame. Tu aurais pu me faire descendre doucement. Elle vient de te sauver la vie, oui, meuf. Oui, si je m'étais souciée de ton confort. Alors pourquoi m'avoir fait descendre ? Pour la même raison que ta présence au Jotunheim. Tu cherches l'hydromel, et je peux t'aider à le trouver. J'imagine que cela aura un prix. Je veux simplement y goûter. Le reste sera pour toi. Ça te va ? Ai-je vraiment le choix ? Bien sûr que non. Sutungr et sa fille Gunlod gardent l'hydromel dans les réserves de leur maison, en Utgard. Elles ne s'ouvrent qu'à l'occasion de grands festins, lorsque Sutungr partage le contenu de son cellier.
Et je suppose qu'il ferait un bien mauvais hôte s'il n'offrait pas une fête à une personne de renom telle que Avi d'Asgard. Tu es moins bête que je ne l'aurais cru. Ah bah, merci, c'est sympa ça. Pourquoi veux-tu l'hydromel ? Je vais manger une salade d'avocat et crevettes. Oh, je viens avec toi quand tu veux, Nola. Il te suffit de te le procurer. Je dois apporter un cadeau de valeur à nous, on va manger des grillades. De recevoir un bon accueil. On va fêter l'anniversaire de Fabien. Dégir a récemment perdu son chaudron en pariant contre Soutoungre. Mais il a puisque du coup son anniversaire est en semaine, donc du coup on va le serait en effet reconnaissant on va le faire aujourd'hui. Si je lui rapportais ce chaudron. Cherche l'arbre entaillé par les écailles du serpent monde. Le chaudron sera passé par là. Ah, c'est bon ça, c'est effectivement. Un présent à Gunlod. Il existe des trésors susceptibles de lui plaire chez Tymir, au bord du lac, près d'Utgard. Je vais garder cela en tête. Lorsque tu auras l'hydromel, rejoins-moi au puits de Mimir. Je te montrerai comment échapper à ton destin lors du Ragnarok. Eh ben... Que faire ? Trouver le chaudron maintenant, ou me rendre à la halle de Trimir ? On va aller trouver ce chaudron, hein, moi je vous le dis les gars. Alors, chaudron perdu. Hop là, on va aller se le faire. Hein. Ça c'est sûr que oui. Y a quelqu'un d'autre qui veut m'énerver ? Oui ! En vrai, c'est ce qu'on était en train de dire avec l'autre jour avec Fabien. Genre, quand tu sais, quand tu nous envoies les photos sur Discord et tout, et qu'on voit ce que tu manges, Fabien, l'autre jour, il me regarde et me fait « Purée, Nola, il se met bien, hein ?» Ça m'a fait tellement rire quand il a dit ça. En même temps, j'étais là genre « Bah, c'est bon, t'as raison. » Alors c'est, quand c'est bon, bah il faut profiter, avec une vie. Alors parfait. La chair et le fer se sont affrontés ici, mais les Jötnar ne laissent pas de cadavres. Ça. On a creusé une ornière pour qu'une des roues du chariot se brise. C'était une embuscade. On a traîné ici un objet énorme. Il est où ? Ah, là. Ce chariot porte l'emblème d'Aegir. Si c'est le chaudron d'Aegir qu'on a traîné par ici, il doit être très grand. Alors, les... Ouais. On va prendre... Il se tourne vers la terre quand il meurt. Vers le sol dont ils sont sortis. Alors, je sais pas si on doit continuer là-bas. Ah non, mais non. Non, bah non, parce qu'ils sont arrivés comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc... Moi j'essaie toujours de regarder. La bouffe c'est la vie, oui, bah en même temps, t'as grave raison. Moi vraiment, c'est ce que je me dis tout la le temps. La piste des destructions mène à cette racine géante. Ok. Ça veut dire qu'on doit se battre contre quelque chose, hein, les amis. Hein. S'il y a de la.
d'animal. Il y a une piste. Ouais, soit il y a un animal énorme, puis on va se battre. Hein. On va se battre. Grossièrement éventré. C'est l'œuvre de Jötnar. Mais pourquoi emporter des organes? Parce qu'ils veulent... Ils ont abattu cet animal pour ses entrailles, qu'ils ont utilisées lors de leur rite. Les voleurs ont dû employer cette magie pour cacher leur butin. Alors ça, ça courait d'avance, hein, que justement, ils voulaient... Il veut le garder chaudron pour eux tout seul. Hein. La moufle du grand Jotun Skrimir, abandonnée il y a longtemps. Les voleurs ont peut-être déposé leur butin à l'intérieur. C'est joli avec cette mousse comme ça, vraiment c'est très beau. Franchement le graphisme ici, il n'y a rien à dire hein, les amis. J'aime beaucoup. On est où? De la mousse un peu partout. Difficile d'imaginer que cela protégeait une main. C'est vraiment très beau. Regardez-moi ça. On est changé. On est allé dans une grotte où c'était dans les bleus. Là, on est vraiment dans les rouges avec de la mousse partout. Non, vraiment. Qu'on me dise que ce jeu n'a pas de... L'endroit est très bien gardé. Qu'on me dise que ouais, il y a pas de changement dans le jeu. Vraiment, je pète un câble. Hein. Je vous le dis. Hein. Le chaudron disparu. Comment l'a-t-on fait entrer dans cette grotte? Trouver la clé? Mais elle est où cette clé? Ah, ok. Ce n'était pas là auparavant. Difficile de savoir ce qui est réel dans ce monde d'illusions. Voilà. Tu peux prendre, hein, t'as le droit. Hein. Moi, ce que j'avais vu, c'était un gazpacho qui donnait trop envie. Vraiment, hein, je le dis. Hein. Genre de melon, il y avait du concombre à l'intérieur aussi. Citron vert, avocat. Et puis après, tu mettais genre un petit pavé de saumon juste snacké. En vrai. Par contre, moi, je veux juste savoir la clé, là... On est sûr? Ah oui, on est sûr. En fait, je suis en train de faire le tour. Trop beau. Alors. Très bien. On va pas se prendre. Très bien. Oh, il y a des... Regardez-moi ça, non, attendez, c'est tellement beau, tellement magnifique. Ok, ok, ok. Alors, lire. Discours écrit avec soin. Sachez que le chaudron que nous avons apporté est celui de notre père Ymir. Ce fanfaron de Thor l'a tué en mer et a volé le chaudron dans sa halle. Ensuite, il l'a donné au traître des d'Ashgir afin qu'il puisse... offrir une grande fête aux Aesir. Aesir a très longtemps diverti l'ennemi de notre contrée, et s'amusant alors que notre père reposait dans le froid de l'océan. Mais nous avons longtemps entendu le bon moment, car il est enfin venu, cet idiot d'Aesir, et amusé le chaudron de notre père lors d'un pari. Nous, ses fils, nous nous sommes emparés. Alors buvez et levez vos cornes, notre père, buvez aujourd'hui à Sarmon. Ok. En vrai, c'est pas qu'ils voulaient pas, c'est juste que ils voulaient reprendre en fait ce qui leur appartenait d'une certaine manière, hein, de ce que je comprends. En tout cas, je sais pas ce que vous avez compris, mais moi, c'est à peu près ça. Très bien. Ok. I'm okay. Il doit y avoir un moyen de. Nous sommes les fils de Ymir. Nous venons réclamer ce qui nous revient. La mort comme un troll dans la nuit. Ah bah vas-y, hein.
Warman, c'est un voleur. Désir nous a ruinés. Ouais, c'est pas grave, hein. Écoute. Cette grotte est le foyer de ces Yotnar. Ils ont dû tomber bien bas pour vivre dans un tel endroit. Apparemment, ses fils se sont cachés ici. Ouais, bon, en même temps... attendre l'occasion de le reprendre. Alors, tu m'as mis le jeu des trois mots, Nola. Venouille, string et box. Pourquoi un string? Toi, t'as un problème avec les strings, hein, moi, je te le dis, hein. Alors... Pour m'amuser, j'ai dû prendre un fenouil, lui mettre un string par-dessus et des gants de boxe. Et ben croyez-moi, lui créer des gants de boxe à cette personne, c'était compliqué, hein. Je vous le dis. Moi je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal, hein. Stringophobe, ouais, non, mais là, t'abuses, toi, t'es toujours avec le mot string. Là, vraiment, il y a un petit problème, hein. Moi, je vous le dis, hein. Il y a un peu de l'abus. Un peu. Moi, je le dis. Je le dis, après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Ah, je ne peux pas grimper par là. Très bien. Est-ce que je dois passer? Alors. Bah c'est de ta faute, hein. Toujours de ta faute de toute manière. Mais c'est pas grave, hein. On t'aime comme ça en vrai, hein. Alors, je ne peux pas passer par là, je suis obligée. Ah, je suis obligée de passer par là. Ok. Très bien, excusez-moi. Munition complète? Ah bon. Attends, on a tiré sur des jambes. Mis à part ça. Ils sont cachés là, mais c'est grave joli, hein. Je veux pas dire, mais moi je trouve ça grave kiki. Ok, ça c'est des... C'est vrai ce mensonge? Mais oui. Et toi t'es pas censé être mort, on t'avait pas tué. Voilà, merci. Faites les choses comme il faut au moins. Alors, des illusions, toujours des illusions. On a trouvé la clé, ok, très bien. C'est une baleine? Regardez, non mais s'il vous plaît, c'est une baleine. Ok. Donc, on allait trouver du coup la clé, on va aller ouvrir la porte en fait ici. Voilà. Non mais attendez. Mais non, c'est juste du coup. Où est-ce que... Mais là, je comprends pas. Ça y est. Okay. Donc on peut pas s'accrocher à ces petites mousses, hein. Ok, très bien. Oh putain, je l'avais pas vu celui-là. Mais qu'est-ce que je suis bête. Vous aviez vu la plateforme suspendue? Moi je l'avais pas vu. J'ai pas du tout ouvert mes grands yeux. Voilà. Là, il y a la grande plateforme, là. Alors, attendez, là, il y en a un petit problème. On a un petit souci de plateforme, moi, je crois. Est-ce que je peux descendre cette plateforme, nom de Dieu? Et où est-ce que je peux passer pour accéder là-bas, nom de Dieu? Ah bah putain. Vous en faut peu les gars pour tomber. Alors attendez. Voilà. Non. Tombe pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, ça m'énerve. Alors, hop.
La plateforme, on ne peut pas la descendre. Ah, mais par contre... C'était pour assommer les gardes. Très bien. Par contre, moi je comprends pas là. Si je peux pas passer par là. On est d'accord, on est censé... Ah non mais ça donne mal à la tête en fait, à force de voir tout trouble. Comment est-ce que on est censé passer par là? Cette plateforme là, elle veut pas s'abaisser. Donc, on fait comment? Encore un truc à la Mormoigneux que je n'arrive pas à... Y'a des câbles? Y'a des fils? Y'a rien? C'est une illusion. Très bien. Alors, il faut peut-être que je vois le truc entre deux portes. Si ça se trouve. Ok. Et là, il n'y a plus de plateforme. Là, je pars. Hein ? Il y a quelqu'un qui a compris ? Elle est en haut. Elle est toujours en haut. On est d'accord. Je comprends pas. Alors, elle a bien dit tout n'est qu'illusion. Donc, il faut en vrai se gaffer. Avec les illusions. Mais si on peut pas péter la petite chaîne là. Bah, c'est nul. Comment est-ce que je peux accepter Je vous le demande. Hein? Où suis-je? Très bien. Ok, très bien. C'était un lit aussi, très bien. Ok. Ok. Non mais moi, là, j'ai mal compris. Il y a un truc que je comprends pas, là. Vous croyez que... Non mais là je comprends pas. Je dois sortir selon vous? Oh ta gueule. Ah non mais là on y retourne. Là, on est d'accord, on sort. Voilà. Bon, alors, le but, là, c'est pas qu'on sorte. Attendez. C'est quoi encore ce bordel? Ce bordel que je n'ai pas compris. Là, on descend. Voilà. Jusque-là, on est bien. Donc, nous, on avait cette porte qui était fermée. Très bien. On est rentré par là. On a tué, du coup, par ici. Voilà, donc effectivement, il y a... Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, mais Eivor, mais qu'est-ce qu'elle est conne quand elle s'y met, elle? Merci. Non. Bon, elle est con. Ça marche, Nola, merci d'être passé. Des bisous, passe une bonne soirée, profite bien.
pied. Bon, peut-être qu'il y a un grillage là-bas. Ah, mais j'avais... Ouf! Ouf! My god! Vous avez vu? Moi, je l'avais pas vu. Voilà. Laissez-moi être con, parce que vraiment, alors là... Trop gros pour l'emporter. Mais les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent au Jotunheim. Alors, attendez, juste un... Le chaudron a rétréci. Je commence à m'habituer à toutes ces illusions. Ok. Non, ça... Elle les prend pas ? Ok, très bien. Bon, alors... Le chaudron a rétréci, très bien. Ça, c'était le chaudron, ok. Ce chaudron devrait suffire à gagner les faveurs de Sutung. Je pourrais dès maintenant rejoindre Utgard. Mais un présent pour Gunlod augmenterait mes chances de me procurer les Dromel. Hop là. Bon, c'est bien. On l'a récupéré, du coup. On peut... maintenant... partir d'ici, ce qui est une bonne chose. La vue... Ah, merci. Pas compris qu'est-ce que j'ai foutu avec mon joystick, excusez-moi. Alors... On sort d'ici. Donc c'est parfait. On a réussi à avoir le chaudron. Point de synchronisation, on va aller juste aller le faire parce que pour moi en vrai c'est quand même un peu important. Il est où? C'est une peau de serpent? C'est moi qui est juste en train de déconner. Ah oui, c'est une peau de serpent, les amis. C'est... oui, c'est une peau de serpent. Une peau de serpent géant. Mm-hmm. C'est... on adore, hein. Allez. Il est passé où, le serpent, du coup, s'il y a la peau de serpent ici? En vrai de vrai. Pas dire, hein, mais il s'est un peu cassé de tronche, hein, le serpent. Mais regardez-moi ça. En plus, le détail est tellement bien fait. Vraiment, ça, c'est magnifique. Ça, franchement, là-dessus... Waouh. Incroyable. Non, non, non. Oh. J'essaie de faire un petit peu au fur et à mesure, hein, les amis, voilà. Alors, comme je vous ai dit, on va faire que, je pense, une bonne partie de la quête principale. Au pire, si moi j'ai vraiment envie de faire quelque chose, je le ferai hors cam, mais c'est juste aussi pour vous laisser un petit peu le... Bah, l'envie de tester, l'envie de voir, que vous soyez quand même un peu surpris par le jeu, parce qu'en vrai, c'est pas la même chose d'y jouer et de regarder. L'immersion n'est pas du tout la même. Alors, attendez. Hop. Alors, c'est un mémorable.
Allons-y. Par contre, je veux pas dire, mais on a quand même une peau de serpent géant dans le monde. Hein. Je... Voilà, pour ceux qui me regardent, c'est normal, mais en même temps, j'ai envie de dire... En moitié normal, quand même, hein. Il est où, son serpent géant? Parce que moi, je me bats pas contre ça, hein. Je vous le dis déjà. Moi, je pleure. Mais non, il nous a pas vus. On est sympa, nous. On cherche pas les embrouilles. Bon. Ou pas. Allez, c'est parti. Je ne dois pas être vu. Vite, ma capuche. Comment pour attirer du monde? Ah mais vas-y, Ivor. Genre on est en train de grimper à côté, ils nous voient pas, ça me fume quand même. Hein. Je ne dirai rien, mais j'y pense très fort. Voilà, nous sommes du coup rentrés dans le village, c'est parfait. Alors. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Ah, bien sûr, dans la maison longue, quoi. Très bien. Alors. On va éviter en vrai d'avoir des petits problèmes. Avec Steak, yep. Alors, où est-ce qu'on peut passer? Bon, c'est bon, calmez-vous, hein. J'ai juste fait exploser un petit trou. Hein. Il y avait quelque chose d'intéressant. Oh putain, le coffre est verrouillé, ben, super. Comme d'habitude. Ça aurait fait chier d'avoir la clé juste à côté. Hein. Elle est là. Alors, s'il y a la clé là, ça veut dire qu'on peut rentrer. Et en vrai, ça me fait plaisir. Voilà. Non mais c'est bon les gars, calmez-vous hein. C'est pas non plus le début de la fin hein. Voilà. Alors hop, je vais juste voir le message ici. Alors, journal d'un nouvel occupant. J'ai entendu si longtemps, depuis que j'ai découvert où Gagnurt avait caché sa récompense. Gagnurt, la légende de la fosse aux combattants, qui avait remporté le grand tournoi il y a toutes les années et était mort de ses blessures quelques jours plus tard. Personne n'avait découvert ce qu'il avait de ses gains, sauf moi. Mais j'ai... Ah, purée, j'arrive pas à lire, excusez-moi les gars. Hein. Mais j'y étais allé avec une pioche, tout le monde en aurait voulu une part, alors j'ai attendu jusqu'à la mort du vieux. J'ai attendu 7 ans que la mort l'emporte et que je puisse mettre la main sur cette maison. Ok. Je vais bientôt commencer à creuser lorsque la nuit sera tombée et que les lunes seront masquées par les nuages. Ça ne prendra pas de problème. La pire, on compose ceux qui sont patients. Ouais. Sauf que moi, je partais avant toi. Eh oui.
Voilà. Alors normalement là je devrais être dans le juste. Je devrais être par là. Si je ne m'abuse. Montre-moi. Alors, j'y suis pas loin, purée, c'est raide, hein. Vous faites les... Vraiment, je vous le dis... Ah, désolé pour les chiens. Oh, il est immense. J'ai peine à te distinguer, petit être. Ne juge pas ma valeur sur ma taille. On m'appelle Avi, dignitaire d'Asgard, et je t'apporte un superbe présent. Ton nom ne m'est pas inconnu, mais que peut faire le puissant Sutungre d'un cadeau provenant d'une si petite chose comme toi? Je t'offre ton grand chaudron, volé par les fils de Ymir. Puisse cette offrande mettre fin aux hostilités entre nous. Un objet bien mince, mais plus profond qu'il n'y paraît. Les apparences peuvent être trompeuses, n'est-ce pas? Bien parlé, Avi. Nos peuples sont peut-être ennemis, mais tu mérites que l'on t'accueille ici. Esclave, quelqu'un de renom est parmi nous. Préparez un festin. J'espère rencontrer aussi ta fille Gunlod. On m'a beaucoup parlé de ses talents en matière d'art mystique. Elle est en train de travailler, comme toujours. Mais sache qu'elle n'a guère de penchant pour la compagnie. Je pourrais lui demander de venir au festin, si tu le souhaites. Nous pourrions discuter d'alchimie sur la route. Cela me plairait, oui. Tu la trouveras dans sa grotte, en haut du chemin, au sein du cercle de pierre. Mais méfie-toi. Tu ne crains rien en ma présence. Mais il n'en va pas autant ailleurs en Outgard. Je ne suis que discrétion. Et Avi, ménage-la. Gunlod n'est pas comme toi et moi. Eh ben, est-ce qu'il est en train de nous dire qu'on est juste... Bah... En vrai, je vais aller... Hop là... Je vais aller faire... Oh, quoique, attendez. Non, en fait. Ça sert à rien parce qu'il est trop loin. Puis nous, on est juste à côté. Voilà. Recoucou, Ace. Désolée pour les chiens. Notre vie n'est faite que de labeur. Que vois-tu? Alors, où es-tu? Ah, sa grotte est là. Bah, d'accord, très bien. Donc, on va descendre. J'adore, on est vraiment tout petit par ici. Ça me fume à quel point. On est vraiment riquiqui par rapport à ces personnages. C'est vraiment des géants, quoi. Ça va, vous avez pas trop chaud? Nous, on crève de chaud. Voilà le cercle de pierre. Mais aucun chemin ne mène au sanctuaire. Encore une illusion. Eh oui. Oh. Ah oui, là. Le chemin vers l'intérieur. Bah c'est bien, au moins on a réussi à mener l'illusion, vous avez vu ça? On est trop fort.
J'irai pas là parce que je sais pas ce que c'est. Ok, tout va bien. J'aime bien, c'est très chou. Alors, note de Gund, entrée 72. J'ai entendu une voix, non plutôt une réponse. J'ai appelé, il a répondu, mais je ne sais pas. Mais je ne dois pas me laisser emporter par l'enthousiasme. Ce fut un instant si bref qu'il est possible qu'elle n'ait été rien de plus que l'imagination d'un esprit surmené. Je dois écarter ce risque, recommencer la procédure, tester encore et encore. Pourtant, si... Trois petits points. Ah. Bah pourquoi ça m'a pas mis ça tout de suite? Ok. C'est vraiment très beau. Hein. Je suis désolée, hein, mais... Ce monde-là est incroyable. Ah! Qu'est-ce que c'est? Quel est cet endroit? Autrefois, nous créions de la magie puissante ici, pour tenter de voir tous les avenirs. Ah oui? Mais chaque voie menait au Ragnarok. Ah, à chaque Père fois. Père ne super. Vient plus jamais ici. Il n'y voit aucun intérêt. Quoi qu'il en soit, je ne compte pas abandonner. Tu fais c'est trop sympa. Des Aesir. En effet. J'ai vu des images de l'avenir. Entendu les voix de ceux qui vont venir après nous. Des voix de... là-dedans? Oui. Je leur laisse des messages. De petits paquets d'éventualités en attente d'oreilles inconnues. Dans très longtemps. Ouais, ça c'est... Que disent ces voix de l'avenir? Elle cherche la sagesse du passé, parle de choses futures, mais elles non plus ne peuvent empêcher le Ragnarok. Ah, peut-être parce qu'il est écrit ainsi, hein. Il y a fait ça en mon honneur. Ton père m'a demandé de te ramener. Non, pas encore. Écoute, je veux que tu entendes ces voix. Elle est gentille malgré tout, hein. Prophète, peux-tu m'entendre? Mine de rien, franchement, elle, c'est un personnage qui est avenant, qui essaie de comprendre et tout, c'est joli d'avoir ses avis jour, de différents peuples. Un autre fil. Viens. Il ne faut pas faire attendre père. Qui êtes-vous? Tu vas pas me faire croire qu'ils l'ont pas entendu. La lame de l'hiver est tranchante, et les perles du ciel tombent drues par ici. Ce qu'il fait froid ici? Pourquoi cela t'étonne-t-il? Je ne suis pas sortie depuis... Je ne sais même plus. Tu te consacres à ton travail? Pas mon travail, ma responsabilité. Mon peuple ne sait rien du désastre qui va s'abattre sur lui. Il faut que quelqu'un agisse. Nous cherchons depuis longtemps une solution. Et ce fardeau pèse sur mon esprit. Je ne pense plus aussi clairement qu'autrefois. J'ai entendu dire qu'une méthode n'avait pas encore été essayée. C'est vrai. Mais l'activer reviendrait à profaner notre puits de savoir, auquel s'abreuve tout Midgard. Impossible de dire quel serait l'effet sur les humains. Au minimum, cela susciterait le chaos. Et je ne leur veux aucun mal. Même si cela devait tuer tous les lieutenants. C'est trop gentil. Oh purée, Ace, franchement, t'as une imagination de ouf. Attends, je te lis après. Alors, j'ai été amenée des forces parce que j'ai volé des cristaux. Cette région est très belle. C'est une chose que j'avais oubliée. Et j'étais jugée et relâchée dans les champs de blé. Et me débattant, j'ai mis des coups de manette et j'ai réussi à me cacher. Ouais, alors blé et céréales... On va dire que c'est pas du tout la même chose, mais je comprends. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Pourquoi t'aurais volé des cristaux? Mais toi, tu me fumes aussi. J'ai volé des cristaux, carrément. Incroyable. C'est même pas j'ai trouvé des cristaux par ici, mais non, non. Où nous conservons nos plus grandes découvertes. Des choses qui ne doivent jamais tomber en de mauvaises mains. Attends, je la refais. Non, mais je rigole, hein. Ne nous protégera lorsqu'il il va nous sortir encore une dinguerie. Tout ce que nous avons bâti sera balayé. Oh, la lumière.
La lumière. Incroyable. Dans notre tronche, on adore. Nous avons longtemps pratiqué la magie dans cette tour, au point qu'elle a fini par en imprégner les murs. Eh ben, mis à part ça, c'est le super vent joli. Et hein. La neige en fragilise. La vue est incroyable. Nous devrons bientôt la battre. Ah bon, super. Waouh, c'est très beau. Genre, j'adore, il fait froid, mais les mecs, ils sont à moitié au alpin. Wesh, le tel, tu racontes quoi là? Bah, aucune idée. Attends. Ça me fait en double, je te jure. Ben, bravo. Le trône est magnifique. Dans la pierre et tout. Trop beau. Sors de là, quoi. J'espère qu'il te plaira. Tu te montres généreux et aussi. Il n'y a plus de respect pour la pauvre Soso, je te jure. Non, moi ça me fait rire. Et regarde, ton cadeau occupe une place de choix, plein d'hydromel tout frais. Il y en a largement assez pour 100 jeunes. C'est trop gentil. C'est un honneur inattendu. Tu l'as déjà rempli d'hydromel provenant de tes réserves? Inutile. Il se remplit tout seul. C'est ça, la magie de ce chaudron. Impressionnant. Mais s'il venait à manquer d'hydromel? Vous entendez ça? Avi craint de nous assoiffer. Ah non, il se remplit. Un éternel. Le chaudron est vaste, mais mes réserves le sont encore plus. Ne t'inquiète pas pour mon hydromel. Je n'en manquerai pas. Père, tu sais que je n'aime pas les festivités. Dois-je vraiment y assister? J'ai du travail. Et ton travail peut t'attendre, ma fille. Reste un moment. Divertis-toi. C'est mignon, quand même. Nous avons très peu de temps. Amuse-toi. J'insiste. Bon, super. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Avi, les invités sont perplexes. Ils te savent, Aesir, mais ne te connaissent pas. Tu veux bien leur parler? Je le peux. Notre hôte d'honneur va nous dire quelques mots. Cet Aesir est ici en paix et nous a apporté un splendide cadeau. Venez! On va vraiment parler devant tout le monde? Mon nom est Avi. À l'esprit aussi vif que la parole. Et je viens vous conter une histoire. Super. Ces histoires les laisseront de glace. Ils aiment les faits, pas les paroles creuses. Ah. Grand Yotnar, je m'incline devant votre puissance et votre grandeur. Il méprise les faibles. Montre-toi plus valeureux. Bah j'en sais rien moi en fait. Je continuerai bien volontiers, mais que sont les mots face à la bonne chair et à l'hydromène? Tu connais bien ton public, on dirait. Oh ouais, bon, je me suis loupé deux fois. Maintenant, buvons et mangeons de bon cœur. Que le festin commence. J'espère que c'est pas nous le festin quand même. Super. Les invités ne boivent pas assez vite. Je peux peut-être arranger cela. Ah oui? Genre, sérieusement? Bon, du coup, les amis, on aura fait quand même un beau moment ensemble. Je pense qu'on va se laisser là et parcourir la prochaine fois du coup les échanges avec les habitants de cette contrée, voir aussi et déceler un petit peu ses secrets. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu.
Moi, je vous fais d'énormes bisous. Passez une excellente soirée, les amis. Et puis, je vous dis à une prochaine pour un nouveau stream. Bisous.